Eh bien salut tout le monde, c'est Get, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Animal Crossing Pocket Camp. Oui, ça fait longtemps. On est content. Non, qu'on se retrouve pour Pocket Camp, pourquoi? Parce que l'heure est grave. L'heure est grave les amis. Il y a une mise à jour. Et une mise à jour, ça veut dire des nouveaux trucs. Donc j'espère que je vais pouvoir accéder parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc j'espère de tout cœur. Permettez 2 secondes, j'augmente le son de mon micro parce que j'ai l'impression qu'il est super faible. Allô micro. Pourquoi c'est faible comme ça? Allô. Ouais, je ne sais pas, on verra. Bref, donc... Ah non? Donc, on est parti pour... Hop, on touche l'écran, une mise à jour... Mais non! Je voulais filmer! Bon bah ça y est, c'est bon, on peut y aller! Ok, donc vous avez vu maintenant, il neige dans Animal Crossing, hein, vous voyez bien, c'est tout blanc, bleu, blanc, bleu, c'est mode neige quoi, enfin voilà, c'est bien, l'hiver est là, Noël est là, on est content et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Donc je vous avoue, j'ai pas trop le temps de jouer de mon côté, je fais beaucoup trop de choses à côté, je prends beaucoup de temps sur... Je t'ai vu. Ok. Oh. Mon bonus du jour, alors oui, les bonus du jour, c'est ça reset tous les mois. Enfin, vous avez vu la date en haut, en fait, 12 décembre au 22 décembre. Mon bonus de bienvenue est dans 3 jours, j'ai un camping-car au logo, enfin avec les logos d'Animal Crossing. Ok. Défi express. Gna gna gna. Donc ça, c'est les défis de Noël. J'en ai pas trop parlé. En gros, pendant l'événement, il reste que 7 jours, quoi. Satisfaire 30 campeurs, machin. Et en fait, on obtient, regardez, des pantalons Noël... des sucres d'orge, machin, des bottes. On peut avoir... Waouh. Commande une clôture festive. On va le faire, ça. Commande un sapin festif. Regardez, 20 tickets, ça faut le faire, ça. Hein. Une cheminée festive. On va le faire. Donc, un sapin. Alors, quelqu'un dans les environs a envie de bavarder avec moi. Bah, pas moi. Ok, je monte un peu le son, parce que la dernière fois, j'ai vu que le son était faible. Alors. Oh là là. J'ai du courrier, déjà. Tout récupéré. Ah, oh, j'ai eu des tickets de requête. Tiens, je sais pas ce que c'est. Et comment on le sait que... Ah, cette neige. Et du coup, on a accès à un nouveau truc, alors, ou pas? Mais pas du tout. Il me semblait qu'on avait accès au jardin. Il me semblait que c'était ça, la mise à jour. Bon, bref. Alors, festif. Ça va être où, à votre avis? Il n'y a pas les trucs spéciaux? Artisanat, peut-être, là-dedans. Alors, Favorina, c'est pas ça que je veux, moi c'est des festifs. C'est là, un sapin. Bon, il faut 86 sucres d'orge pour faire ça. Ok, donc il faut absolument qu'on ait des sucres d'orge. Donc pour faire des sucres d'orge, il faut faire des requêtes. Mais tout est bien fait dans ce jeu, il faut tout le temps... Bon alors oui, quelqu'un veut regarder avec moi, Mirza. Mais elle dort. Bon, elle veut pas me parler, hein, c'est... Ah. J'ai lu quelque part que pour garder la forme, il faut faire des pauses fréquentes. Moi, quand je m'assis là-dessus, à peine le temps de dire ouf que je suis déjà endormi. Est-ce que je peux te dire que faire la sieste est crevant? Il va me falloir une petite pause pour récupérer. Plus 5. Oh la vache. Ouais, même pas tu me donnes un sucre d'orge. Vas-y, tu m'aimes pas en fait. Ils m'aiment pas les gens dans le jeu. Ok. Ça, et je crois qu'il y avait elle aussi. Enfin, lui. Hé hey, Thomas, tu sais, un bon repas n'est rien sans une bonne sieste digestive. Comment ça va toi? On va faire des trucs rouges pour faire le cœur. D'après ce que mon pifomètre a susurré à mon petit doigt, qui l'a répété à mon 6e sens, je suis tombé sur une rareté et comme tu me rends toujours service, je te l'offre, merci à toi. Oh, il peut te donner des objets. C'est bien. Oh, c'est pas mal. Les matériaux naturels, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça, je prends. Plus 3, ouais... Et il y a un truc aussi, on peut lui donner un bidule. Dabadabada, tiens. Ouais, vas-y, donne. Vas-y, j'ai été récupérer pas mal de papillons à un moment. Je sais que j'y ai joué un jour, ou je sais pas quand, je m'en rappelle plus. Mais au moins, je l'ai fait. Youpi, je suis friand des insectes. Ok. Les insectes sont des petites bêtes fascinantes. Et Mimi comme tout. Vive les sciences. La science. Il est obligé de me faire... Eh mais sucre d'orge quoi? Mais on va pas pouvoir acheter le sapin? Le sapin? Oh tu fais semblant... Ok. Très bien.
On fait des cœurs, on est content. Donc ça c'est bien. Donc ça je peux pas du coup pour l'instant acheter les trucs. On va faire de la carte. C'est la carte. J'ai pas regardé. Alors qui c'est? Je peux donner. Oh j'ai une récompense. C'est quoi la récompense? Ah il y a même écrit où chercher et tout. D'accord, c'est nouveau ça. Mirza, des coquillages. Elle a besoin de rien, j'ai besoin de rien. Ok. Donc on va les donner à Apollo Long. Apollo, il est où? Apollo Long Long Apollo. Il est où? Ah, il est là. Pardon, t'avais pas vu. Je ne t'avais pas vu. Moi, ma journée commence après le déjeuner. C'est seulement là que je commence vraiment à me réveiller. C'est pour toi. Donnez. Ok. Donc, je suis qu'au niveau 6, hein. Ouais, c'est vraiment pour moi. Hein. C'est pas juste de payer. Ok, requête ami. Ouais, donc je suis qu'au niveau 6. Hein, on va pas s'en plaindre. C'est déjà pas mal. C'est pas beaucoup. Hein. Très bien. Hop. Oh, on monte à niveau. Parfait. Et je veux des sucres d'orge. Sinon, je vais jamais pouvoir acheter le sapin. Mais enfin! Mes sucres d'orge! Ok. Bon, les niveaux, ça va. Ça... Donc, ça, qu'est-ce que je voulais. Ah, bah, c'est ça la nouveauté! Je suis content. Salut Thomas! J'ai pour vous des nouvelles trépidantes. Votre camping bénéficie désormais d'un tout nouveau jardin. Vous pouvez y semer des graines, les arroser et ensuite observer avec émotion les fleurs qui poussent. En fait, c'est fou parce que je m'entends quasiment pas parler tellement le son est fort. Mais pour vous, il est pas fort. C'est super chiant. Et ceci à partir de tout de suite. Allez donc parler au juroïd, il se fera un plaisir de vous renseigner. En fait, c'est ça qui est fort. C'est fort. J'ai tellement hâte de voir ce que vous allez y faire pousser. Oh! Pardon. C'est tout nouveau! Et c'est ça quoi, concrètement? Bienvenue, je te devine emplie d'allégresse à l'idée de commencer à cultiver ton jardin. J'ai pris la liberté de labourer la terre pour t'épargner cette corvée. Il ne te reste plus qu'à semer. Voici justement quelques graines pour afin d'accomplir ce noble dessein. Puis viendra le temps de l'arrosage. Cadeau. Graines de tulipe rouge 3. Exact, excellent. Maintenant, choisis un espace libre et plante-y tes graines avec allégresse et empressement. Ok. D'accord, bon c'est bien fait, on peut faire comme ça à la chaîne. Voilà, donc là j'en ai plus dans l'an. Terminé. Ok. C'est pas compliqué. Voilà, des semences rondement menées et bientôt petites graines deviendront jeunes pousses. Certes, tu peux aussi donner un coup de main à Mère Nature en utilisant de l'engrais pour fleurs. Tes fleurs pousseront alors, on n'a rien de temps. Voici quelques sacs d'engrais pour fleurs, essaie. Mais non. Engrais. Oh, j'en ai 18. Tout. Oh purée! Ça consomme 6 engrais? Oh bon, ok. Bon, c'est le tuto, donc à mon avis, je suis obligé de le faire. Donc, forcément. Tagadagadan. Très bien. C'est la magie de Noël! Oh, les belles fleurs! Vite, 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 cueillir sans tarder. Vas-y. On peut croiser, cueillir. Touche un parterre de fleurs. Bah il veut pas. Ah non, je dois en laisser une, ok. J'ai pas compris. Il y a encore un sujet dont je souhaite t'entretenir. La pollinisation croisée. Ce procédé permet de croiser des fleurs ayant récemment éclos avec d'autres que tu as déjà accueillies. La seule condition est la suivante. Il est impératif que les deux fleurs appartiennent au même type. Quant au résultat, il est à la hauteur de l'effort puisqu'il est possible d'obtenir des graines rares. Mais une tentative vaut mieux que 1000 mots. Éprouve par toi-même la puissance de la science. Donc, alors, on va croiser. D'accord, donc en fait, il faut avoir des... Ok, j'ai compris. Donc, vous mettez vos graines, vous les ramassez. Et pour croiser des fleurs, il faut absolument... Tulipe jaune. Oh! Et avoir une fleur du même type dans son sac. Et après, on croise et ça donne bah, les fleurs différentes qu'on connaît. Enfin, vous voyez. Waouh, sauf erreur de ma part, il s'agit de la graine rarissime. La jalousie m'éteindrait jamais. J'ai pas lu. La pollinisation croisée est décidément la providence du jardinier avide de graines exotiques. Et quel cœur demeurerait de marbre à l'idée de recueillir des graines de variétés florales rares. Garde toutefois à l'esprit que les fleurs utilisées lors d'un croisement sont perdues corps et bien. Ah. Peut-être t'interroges-tu sur les raisons pour lesquelles tu t'éreinterais à me livrer des fleurettes. Pour chaque bouquet dont tu me gratifieras, je t'offrirai un cadeau. J'ai bâti cela le troc floral. Peut-être une meilleure désignation existe-t-elle, j'en conviens. Mais si le nom laisse à désirer, la service lui-même est irréprochable aussi, ainsi que je t'invite à le constater.
Fais voir alors, du coup. Un échange, qu'est-ce que tu donnes? Ok, je donne juste un cadeau. En fait, c'est ouais, c'est. Pour avoir une idée de la déco, c'est tout. C'est que pour avoir de la déco, vraiment? Bon, je peux rien faire d'autre, ok. Te voilà désormais instruit sur la science jardinière. Tu peux maintenant cultiver ton jardin. Accepte ce modeste présent afin de célébrer dignement cet auguste événement. Bouh! Ça, c'est bien. Par ailleurs, sache que je vends moi-même des graines identiques à celle-ci. N'hésite donc pas à venir me voir si tu veux. Enfin, si tu as déjà d'autres questions, je te renvoie au guide du petit campeur. Bientôt, ok. J'ai compris. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça varie les plaisirs. Allez, vas-y. Plante des graines. Alors. Un échange. Je vais voir un petit peu. Il y a vraiment... Ah non, regardez. Dépenser. Mais il y a bien d'autres trucs à acheter. Oh, des... Oh, regarde des ours. Regardez, des ours polaires à acheter. Oh, mais il y a beaucoup de trucs en vrai. Mini table. Des closures florales. T-shirt. Des sièges. Des topinières. Ok, d'accord. D'accord. Tenir des graines. Ouais. Faire pousser. Non, on s'en fout. Ok, donc, objet. On va mettre une rouge. Pourquoi vendre? Alors, semon. Donc, une rouge. Là aussi. On va mettre là. On va essayer de faire des croisements. Pour faire un joli parterre et tout, vous voyez. Ouais, j'aime bien quand c'est bien. Et là. Hop. La petite fenêtre en bas qui arrive à chaque fois, c'est un peu chiant en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais alors il faut changer de. Choisir une graine. Donc là, on choisit une autre graine. La corail. Et on remplit les trous qu'on a laissés. Comme ça, ça fait un rouge, corail, rouge, corail, rouge, corail. Voilà. Rien de compliqué. C'est de l'harmonisation. Moi, j'ai fait souvent ça. C'est ma passion. Je suis décorateur des plantes. Ça a un nom, mais paysagiste. Voilà, je cherchais le nom. Hop, voilà. Bon, je sais pas si je vais utiliser l'engrais parce que... Faut pas déconner non plus. Bon, après, on en a... Alors, il nous a donné. Bon, bref. Voilà, hop, hop, hop. Et la dernière... Du coup, on n'a pas besoin d'arroser. Ça, c'est bien. Ok, terminé. Alors, ça, c'est toutes les demandes d'amis. Alors, oui, vous êtes... Mon code ami Pocket Camp, là, il est en bas. Vous voyez, hein, tout en bas. J'en ai vraiment... Franchement, vous... Oh, j'ai des visites. Oh, j'ai eu beaucoup de visites. Enfin, voilà, je vais vous montrer. Tu as reçu une demande d'amis. La dernière fois, j'ai accepté des amis, j'en ai accepté je ne sais pas combien, et ça m'a pris 1h20 d'accepter les demandes d'amis. Et là, je vous laisse constater le nombre de demandes d'amis que j'ai. Attendez, j'ai même pas eu le temps de... Le jeu, j'avais même pas... Voilà. Ça, c'est ma liste de demandes d'amis. Vous voyez la petite barre à droite, hein. Alors, vous êtes... merci beaucoup, hein, ça me fait très plaisir, hein, mais... C'est trop long, c'est trop long, c'est trop trop long. Il faut que je... C'est vraiment trop long. Ouais. Bon, il faudrait que je le fasse un jour, mais en faisant autre chose. Bref. Bon, ça c'est fait, mais ça ne résout pas. J'ai fait planter le jeu. Bon, où en étions-nous? Ah oui, on a eu des défis de Marie. Bah oui, du coup, plante des graines, ouais, forcément, forcément. Donc ouais, mon jeu a bien planté. Hein. Désolé, il en a eu marre. Donc, ce que je voulais, moi, c'est quand même avoir des sucres d'orge, parce que bah, sinon, on va pas y arriver. Alors, on a des nouvelles têtes, île bronzette. Ok, alors, je regarde un petit peu avant ce qu'il faut. Une petite dule, j'en ai plein. Toi, qu'est-ce que tu veux? Des fruits, bon, ça ira. Et toi, bah, des fruits aussi, bon. Rien de bien compliqué. On n'a même pas été au marché, enfin, à la place du marché. Ouais, je vais jamais, rarement, enfin, je vais rarement dans ce truc-là. J'aime bien faire la petite requête, puis bon. On y consacrera peut-être une vidéo plus tard encore. On a déjà fait, mais... Alors. Alors, ce qui est trop bizarre, c'est que... Bon, en fait, non, c'est pas bizarre. C'est logique. Sur l'île, il n'y a pas de neige, mais en fait, c'est une île tropicale, donc forcément, il n'y a pas de neige. Quand, quoi? Alors, t'es où? Oh, bonjour. On se connaît pas, toi. C'est une nouvelle... Tiens, tu es en vadrouille, toi aussi? Trop fort, prune. Je vais pas te raconter des salades, c'est mon premier voyage depuis bien longtemps. J'adore le plein air. Si ça te dit, on pourrait faire griller des trucs sur un feu en se racontant nos vies. Non.
Ok, donc, les nouveaux habitants. Bon alors, tu veux me dire quelque chose? Donc, on lui parler. Dis, ça t'arrive de mettre des trucs dans ton bric-à-brac? Parce que c'est un super moyen de faire un peu de place dans ton fourbi tout en faisant des heureux. Donc, le bric-à-brac, c'est là où on vend, en fait. C'est l'espèce de troc, je sais pas où. Ok. Et du coup, je vais lui parler pour lui faire sa requête. Tiens. Ok, donné. Du coup, j'ai même pas fait gaffe si on pouvait accueillir des nouveaux... Bon, ben, waouh, tu m'as carrément sauvé la vie, prune! Très bien. Allez, un sucre d'orge. Mais non, mais... On va pas jamais pouvoir acheter notre sapin. Excusez-moi, j'ai un petit cheveu sur mon téléphone, ça me perturbe. Bah, toujours pas. Bon. C'est dommage. Ah bah attendez, on a encore la requête. Ouais, tiens, c'est pour toi. Donner. Ok. Le petit freeze du jeu. Ouais, faut vraiment que je change de téléphone. Mon téléphone commence à être un petit peu vieux là. Je pensais que j'avais des fans dévoués jusqu'au milieu de nulle part. Merci, merci. En fait, je voulais changer à Noël, mais on va dire que j'ai eu beaucoup trop de dépenses. Des taxes YouTube à la con. Excusez-moi. Alors, hop, voilà. On fait de l'amitié. Est-ce que par hasard je peux te donner... Oui, je peux te faire ta requête encore. Donc on va... Ouais, tiens, c'est pour toi. Comment on la gâte et tout? Genre en mode... T'as tous les cadeaux du monde. Bon, arrête de parler pas. Ok. Ah bah voilà, enfin! J'en ai qu'un. Trop... Ouais, bon, c'est pas grave. Ok, niveau 3, et du coup on devrait passer niveau 7, je crois. Non? Ouais! On a monté un niveau. Parfait, ça c'est bien. Et est-ce qu'on a... Oh, 10 tickets verts et une mini-clochette, c'est bien. Oh, Stéphane. Des nouveaux... Ok, plein de trucs. C'est fou ce jeu. Il y a toujours plein de trucs. Voilà, donc vas-y, je récupère tout. Très bien, donc... Alors, ici c'est fait. On va pouvoir aller voir machin là, Avril, qu'on connaît pas non plus, c'est un nouvel habitant. Une nouvelle habitant? Une. Et après, on ira voir si on peut pas intégrer des nouveaux habitants dans notre. Oh, bah, il y a des pommes ici. Vas-y, secoue les pommes. Voilà. Je vais les prendre. T'es où? Et il y a des pêches. Avril, alors c'est un garçon ou une fille, je sais jamais. C'est un garçon. Salut, Théa, devant toi, Avril, baroudeur débutant, mais j'ai beau être débutant, j'ai l'œil. Dès que je t'ai vu, je me suis dit, celui-là, c'est un voyageur aguerri. Tu voudrais bien me donner des... genre des trucs et astuces ou des bonnes adresses pour se détendre? Bah, viens dans mon camping, c'est le but. Oh, tu viens. Quoi de neuf? Regardez, viens dans mon camping déjà. Je suis bien forcé de reconnaître, ton camping, c'est. Car est une merveille. Merveille. Dis, ça te dérangerait que je m'incruste dans ton bahut quelques mois? Ah, je plaisante. Bah, ça me fait pas rire. C'est pas l'incruste, hein, c'est bon. Hop, donc on va te donner la nitidule. Voilà. Et tu vas me donner des sucres d'orge. S'il te plaît. Waouh, waouh, waouh! Ok, j'ai pas lu. Bon, au bout d'un moment, on lit plus, hein. Mais non! Mes sucres d'orge! Ah, bon, on va passer de l'amitié, là. Ok, niveau 2. Ok. Bah, toujours pas. Bah, c'est bien. C'est pas bien, mais... Ah bah tiens, je peux continuer de donner... Oh, toi, c'est pareil, on va te faire le plein de cadeaux, comme elle... Myrtille, elle s'appelait. Ok. Ok. Alors... Oh, regardez, on fait cuire du poisson. Avril et moi, on a la passion du poisson, et fumer, c'est encore meilleur. C'est très rare. D'ailleurs, en fait, je viens de remarquer, c'est un peu la première fois que dans un Animal Crossing, on a notre personnage qui parle, en fait. Bah ça, c'était notre personnage qui disait « Oh là 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 là, on a fait des trucs trop bien !» C'est la première fois, en vrai. C'est plutôt cool. Bon, est-ce que je peux te... Alors, non, il va falloir... Pardon. Toi, tu veux quoi? Donc, des oranges. Et toi, il fallait... Bah, une orange aussi. Donc, on va d'abord aller au Val-au-Vent pour aller chercher des oranges. Ouais, comme ça on va pouvoir faire les deux requêtes et on sera content. Alors, je veux des oranges là. Hop, voilà. Hop, on en a trois, ça nous en fait une en rab.
Bonjour, tu sens ce bon air de bien, il y a plein de trucs à faire. Tiens, tu racontes quoi? Bon, d'abord, je vais me demander. Tu sais, si t'as envie de choses causer, faut pas avoir peur de me saouler, hein. Je suis toujours partante pour la causette, hein. J'adore rencontrer de nouvelles têtes et découvrir leur manie. Chelou, haha, niniche. Niniche. Je suis pas niniche. Pas ninichant. Oh là là, c'était trop drôle. Bon, on va passer au niveau 8 bientôt. En fait, on va faire quasiment deux niveaux aujourd'hui. Je peux faire un truc en niniche. Mais arrête de dire niniche tout le temps. Je suis pas niniche. Pas niniche. Ça fait deux fois hein, que je rigole à ma blague, ça va plus là. On va se calmer. Ok. Ah là 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 là. Ok. On va faire cuire des oranges. Ah non, on a juste un panier de fruits. Donc ça, c'est notre personnage qui parle. Anna, moi et le fruit de mes efforts à déguster ensemble la recette du bonheur. C'est assez intéressant. Des sucres. Mais non. Mais je pourrais jamais acheter mon sapin. Bon, en même temps, je me suis pris un peu tard. Je reconnais. Ah bah, parfait. Je peux... Oui, tiens. Je te donne des guppies là ou je sais pas quoi. Des... c'est ça, non? Non, je sais plus ce que c'est. Allez, passe niveau. Toujours pas de sucre dedans. Non, on passera pas niveau. Faut encore un truc pour faire un niveau. Ah bah, c'est parfait. Écoutez, aujourd'hui, je crois... En fait, si vous voulez, j'ai... Ben, je sais plus quand c'est ce que j'ai fait ça. J'ai été chercher plein de fruits, tous les fruits. J'ai pêché pendant un petit moment à la balle, à l'autre endroit. J'ai été chercher plein d'insectes et du coup, en fait, maintenant, je peux tout faire. Et même, j'avais fait des requêtes jusqu'à temps qu'en fait, ils me proposaient plus. Je pouvais même plus faire de requêtes. Chantons à tue-tête. Les insectes sont trop petits pour nous lancer des tomates. Bon, ça se fait pas. C'est de la torture. Oui, un sucre d'orge. Bon, un seul, hein. Il m'en faut encore, hein. Il m'en faut 100. Allez hop, niveau 4, bim. T'y attendais pas, hein. Ok. Allez, il faudrait qu'on passe encore... Oh là là, j'ai tellement de choses, là. Ok. Par contre, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut 30 requêtes. Bon, il m'en manque 7, ça va. 70 requêtes. Oh la vache. Commande un sofa carreau festif. Une montagne de cadeaux. Ouais, mais c'est pareil, il faut des... Un lit carreau festif. Une boule de neige festif. Mais je peux pas... Bon, c'est pas grave. Carte. Donc, on va aller voir Héloïse. Je crois... Ouais, c'est ça, Héloïse. On va lui donner ses fruits. Voilà, comme ça on est content. Alors, Héloïse, where are you? Yes, it's you. Ah, Thomas, j'étais en train de... ça va, comment ça va, toi? Ah, le camping, Ok, hop, on passe niveau 4. Bon, bah, c'est parfait. Bon, bah, c'est parfait, on va passer niveau 8 au total, je pense. Ok, et bim, niveau 8. On est efficace en journée. On est efficace, mais genre, vraiment. On a Reina. Oh, des catalogues, c'est augmenté. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on te donne. C'est pour toi. Cadeau. Voilà. Oui, je te le donne. C'est... Tout l'amour que j'ai pour toi, je te le donne. Allez, donne-moi des sucres d'orge. Mais non. On va faire 4 requêtes. En fait, c'est écrit... On continue. Voilà. En fait, c'est écrit le 4, c'est le nombre de requêtes qu'il faut pour passer niveau en vrai. Je suis bête, j'avais pas compris. J'avais pas compris en fait. Oui! Héloïse, moi, le fruit de mes efforts à déguster ensemble la recette du bonheur. Bon, ça, elle l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc là, donc deux requêtes, ça fait la moitié. Hier, yeah. J'ai eu un sucre d'orge. Hier. Yeah. Voilà. Hop, donc la deuxième. Ah là je peux plus. Ok. Alors je récupère vite fait ça. Voilà. Oh je suis riche. Une gueule, ils sont plus quoi. Moi je suis riche hein. Qui c'est qui avait besoin de truc? Ah des coquillages. Bah attendez on va les ramasser. On est juste à côté. Alors. Coquille de pétoncle. Ça. Est-ce que par hasard du coup je peux lui donner... Ah bah oui, voilà, c'est bon, on va pouvoir lui donner. Donc c'est parfait. On va aller parler à un habitant, je l'ai jamais fait.
Que veux-tu faire avec Nancy? Ce lien d'amitié, je sais pas ce que ça fait. Non. Non, en fait, j'ai pas envie. Excuse-moi, Nancy, si tu regardes cette vidéo. Mais c'était juste parce que je savais pas ce que ça faisait. Donc voilà. C'est par précaution, je l'ai pas fait. Ok. So. Donc, de retour à la maison, on va pouvoir parler à. C'était toi, je crois, non? Ah bah non. C'était Mirza. Chut. On n'a rien dit. On n'a rien vu. C'est bon, hein? Tiens, waf, 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 tiens. Cadeau, je te donne des coquillages et crustacés sur la plage abandonnée. Allez hop, c'est parti. Ok. Parfait. Donc, là, registre. Alors, normalement, on va peut-être pouvoir contacter les gens pour qu'ils viennent dans notre. Alors, regardez, il y en a deux là. Non? Attendez, on va regarder. Alors, Gérard. Il faut un truc à rayures. Un canapé rayures, vas-y. On va crafter un canapé rayures. Ouais, vas-y. Si, vas-y. Ok. Commander. Comme ça, il va pouvoir venir dans notre camp. Oui, j'ai commandé Youpi Serge. Ok. Très bien, donc ça déjà. Ensuite. Avril, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il vienne? Ouvrir. Alors, ok. Un VTT, une clôture visite. Oh, il faut beaucoup trop de trucs. Anna. Qu'est-ce qu'il lui faut, Anna? Alors, ça, c'est bon. Une lampe design. Oh, mais ils sont chiants, hein. Héloïse. Ok. Reina. Niveau 3 et beaucoup de trucs verts. Ok. Stéphane. Ouais, pareil, il y a beaucoup de trucs verts, un peu d'orange. Myrtille. C'est un petit peu mieux. Emilia. Oui, on n'a rien, ok. Ok, 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Ma commande est prête. Donc ça, c'est bon. Du coup, on va pouvoir... Yeah. Voilà, du coup, maintenant, on peut l'inviter, c'est ça? Mais je sais pas si on est obligé de le... Non, je crois pas. Invité au camping, config auto, web. Disposé automatiquement. Voilà, on fait ça automatiquement. Comme ça le pose. Et puis on invite un nouveau copain dans le camping. Si le jeu veut bien. Ok, donc, bon, mon jeu a replanté, hein, j'ai dû le rallumer. Et du coup. Ah, ok. On a Gérard qui est chez nous. Sauf qu'ils ont viré tout le reste de mon camping. On a plus rien. C'est. Bah, c'est bien. Non? Bon, bah tant pis. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déplacement sur... Ok, d'accord. Oui, c'est bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je referai sûrement d'autres vidéos plus tard avec les fleurs. Maintenant, on a des fleurs. Voilà. Ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Hop, rentrons dans le camping-car. Voilà, on peut le décorer si je l'ai même pas fait. Ouais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu un petit peu les nouveautés. Là, le jeu plante assez souvent. Il faudra que la prochaine fois, on va faire de la déco pour remettre bien notre camping. Parce que là, bah, il n'y a plus rien. Clairement. Regardez, le jeu, il a trop de mal. Mon téléphone, il en peut plus, quoi, en fait. Il faut vraiment que je change. Bref, écoutez. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Ça faisait longtemps. On se retrouvera peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout. Et à la prochaine. Allez, ciao!